C'est un anniversaire dont on va parler ce matin, les 20 ans, oui, 20 ans du Salon du Chocolat et des Mille et Une Gourmandises. Il se déroule ce week-end au Pavillon du Lac à Néry-les-Bains. C'est une organisation des étudiants du département technique de commercialisation de l'IUT Clermont-Auvergne, site de Montluçon. J'ai toujours une petite difficulté sur l'intitulé. Bon, l'IUT de Montluçon, les gens le connaissent comme ça. Et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent à ce micro avec notamment deux de ces étudiants qui sont impliqués dans l'organisation. Enzo Oliveira, Léandre Carton, bonjour. 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 Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Et puis l'une des exposantes, les pâtisseries de Fred, vous la connaissez peut-être notamment via les réseaux sociaux. Vous avez goûté à ces petites douceurs, c'est Frédéric Dupéron, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, on va dans un instant parler de votre activité. Mais je le disais, 20 ans pour le Salon du Chocolat qui se transmet de génération en génération d'étudiants, c'est ça un petit peu le principe? Oui, c'est ça. Donc chaque année, la nouvelle promotion se charge de cette nouvelle édition. Et donc cette année, c'est nous qui avons eu la chance de s'occuper de ce 20e anniversaire. Donc assez important. On mise beaucoup sur la transmission de connaissances, le partage entre les premières et les deuxièmes années. Donc on est très content de pouvoir partager toutes ces expériences. Vous êtes en quelle année, vous, première ou deuxième? Alors moi, je suis en deuxième année. D'accord. Ok. D'accord, donc il y a la transmission entre les deux. C'est comme ça que ça marche en fait, puisque donc, le Salon du Chocolat a été lancé il y a 20 ans. Les étudiants en Techdeco ont, on le sait, dans le cadre de leur programme, la réalisation et la mise en place d'événements comme ça. Et puis vous travaillez comme ça justement en lien, deuxième, première année. Expliquez-nous comment ça marche finalement. Bah, nous, dans le département TC, ça fonctionne comme ça. Donc les premières années, ils nous managent durant toute une année. Et donc l'année suivante, ce sera à nous. Donc moi, je vais passer à la place du deuxième année et je vais manager les futures premières années. L'année prochaine, c'est toi le chef. Peut-être. On suivra ça, évidemment. Ça implique combien d'étudiants, là, une organisation comme celle-là? Parce qu'on va voir quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur les deux jours. Donc nous, cette année, on est une équipe de 5. Donc il y a deux deuxième année, trois premières années. Après, tout cela, c'est supervisé donc par la chef de service qui s'occupe de tout salon. On a aussi des professeurs référents qui vont tout surveiller parce qu'on a besoin d'un suivi pour éviter de faire la moindre bêtise quand même. Mais voilà, c'est la grosse base se fait sur l'équipe Salon du Chocolat qui est de 5 étudiants. C'est du concret pour vous aussi? C'est vraiment un projet où il y a une finalité qui va être visible là ce week-end au pavillon du lac de Néry-les-Bains? Ouais. Ça c'est motivant? Ouais, c'est vraiment motivant. En plus, nous, on sort du lycée, donc on n'a aucune expérience professionnelle. Donc là, rentrer vraiment dans le concret avec un événement aussi grand que celui-ci, c'est vraiment formateur et parfait pour nous. Alors, donc, ce Salon du Chocolat, pavillon du lac de Néry-les-Bains, demain et dimanche. Sur les horaires, ça ouvre à quelle heure, d'ailleurs, le matin? C'est 10h-19h pour le samedi et 10h-18h le dimanche. Voilà, comme ça, vous avez les horaires. L'entrée est à 2 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et il me semble avoir lu que c'était une trentaine d'exposants. Comment ça se passe, le montage, finalement, un petit peu moins, peut-être, comment ça se passe, le montage, finalement, ces exposants, comment vous les dénichez, entre guillemets? Eh bien, c'est le travail du coup des premières années, d'aller chercher différents exposants, on va faire des recherches sur Internet, essayer de toucher le plus de domaines possibles pour pas avoir que des exposants qui font la même chose, garder quand même nos anciens exposants, en chercher de nouveaux. Comme on va en parler dans un instant, voilà, avec Frédéric Dupéron. C'est ça. Donc ça veut dire que vous êtes au téléphone en fait, vous devez démarcher un petit peu. Notre première partie de travail, entre guillemets, c'est vraiment la recherche d'exposants, donc appeler le maximum pour trouver, comme l'a dit Enzo, le plus d'exposants possible et différents. Alors, donc Salon du Chocolat, mais je l'ai précisé tout à l'heure, des mille et une gourmandises, parce qu'il ne s'agit pas que de parler de chocolat. Alors il y aura évidemment, j'imagine, des chocolatiers avec des locaux peut-être, qui chaque année reviennent. Et puis donc les mille et une gourmandises, et c'est là que je vais me tourner vers Frédéric Dupéron. Vous avez lancé votre activité donc il y a à peu près 2 ans et demi, c'est venu d'où en fait? Vous faisiez quoi avant? Vous étiez déjà dans la pâtisserie? Ah, pas du tout, c'est une totale reconversion professionnelle. Alors la pâtisserie, c'était une passion depuis un certain nombre d'années. Mais j'ai bossé 17 ans avant en tant qu'éducatrice, donc rien à voir. D'accord. Et puis j'ai sauté le pas, j'ai passé mon CAP et puis je me suis installée à mon compte. Donc c'est quand même tout récent. Ouais. Alors j'imagine, comme vous le disiez, qu'il y a d'abord une passion de la pâtisserie, mais jusque-là c'était que vos proches qui en profitaient finalement, c'est ça? Ouais. Et c'est à force d'avoir des retours positifs, vous vous êtes dit... finalement, ce que je fais, c'est quand même peut-être pas mal. J'ai envie de changer de vie professionnelle, je vais me lancer. Ouais, c'est ça. J'ai fait des concours amateurs un peu partout
en France. J'ai eu des retours qui me convenaient, parce que des fois, on se dit, les proches, ils sont peut-être pas super objectifs. Effectivement. Donc, du coup, là, c'était l'occasion de se dire, bon, allez, je saute le pas et j'y vais. Ouais, c'est un beau témoignage en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est quoi les pâtisseries de Fred? On voit passer parfois, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, évidemment c'est une obligation quand on fait cette activité, et puis c'est très visuel, donc c'est important, mais c'est quoi? Vous faites quoi? Toutes alors, sortes de pâtisseries Oui, alors moi, enfin oui non, on va dire. Je travaille beaucoup les entremets, donc les entremets c'est différentes textures à l'intérieur. Vous avez un biscuit moelleux, un croustillant. On va donner un peu envie dès ce matin. Oui, 7h51, c'est bien, c'est l'heure. Une mousse, des inserts avec des compotés, etc. Je travaille exclusivement avec les fruits de saison. Et puis, je fais aussi beaucoup de cookies. Donc, si vous venez au Salon du Chocolat, c'est l'occasion aussi de venir goûter des cookies. Bon, il y en a dans ce studio qui ont goûté et qui approuvent totalement ces fameux cookies. 2 ans et demi après, vous vous dites quoi? Alors voilà, on vous voit régulièrement. Ça marche bien, ouais. Oui, ça marche bien. Je me dis, je regrette pas de l'avoir fait. Mais sur les réseaux, j'ai aussi pas mal de gens qui me disent, ah, tu t'es installé à ton compte, c'est super, je suis passionnée, j'ai envie de le faire. Oui, c'est super, mais c'est beaucoup de boulot. C'est aussi des hauts, des bas, parce que c'est pas facile de s'installer à son compte, de tout lâcher. Moi, je suis maman de 4 enfants, donc il y a ça à gérer en parallèle. Du coup, c'est très gratifiant. J'aime beaucoup, j'adore. Mmh. Mais il faut beaucoup de boulot et beaucoup de sacrifices aussi. Ouais, on sort de la période des fêtes de fin d'année. Il y a pas si longtemps, ouais. Ça a été une grosse période pour vous. Grosse période pour moi. Les bûches. On finit sur les rotules, mais le retour des clients, il est tellement valorisant aussi que je me dis, bah voilà, je sais aussi pourquoi je le fais. Mmh. Sur la manière dont vous vendez finalement vos produits, comment ça se passe? Vous faites alors, quoi? Pour le moment, moi, j'ai pas de boutique, même si j'ai pas mal de clients qui me disent, alors la boutique c'est pour quand? J'espère un jour. Pour l'instant non, je travaille exclusivement à la commande, donc j'ai un labo pro qui est à domicile. Mm-hmm. Et je travaille exclusivement à la commande, donc les gens passent commande soit sur le plus souvent sur Facebook, sinon sur mon site internet, et puis viennent récupérer leur commande. Je travaille exclusivement comme ça pour le moment. Ça permet aussi d'éviter le gaspillage, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de perte. Mmh. Voilà, tout ce qui est commandé est consommé. Ce que vous pourriez pas faire avec une boutique. Voilà. Les pâtisseries de Fred, on vous invite à aller voir, notamment sur Instagram, Facebook et puis site internet. Pour les organisateurs, hormis donc chocolat, parce que c'est quand même la base, on vient de le voir là avec les pâtisseries également, il y aura d'autres choses en termes d'exposants qu'on va pouvoir retrouver? Oui, vous pourrez retrouver des pâtes de fruits, du nougat. C'est la partie qui va donner envie de manger là. on y va, 7h54, on est bien. Donc il y a de la biscuiterie, on a les différentes pâtisseries, le sirop d'érable. Donc on essaye de toucher vraiment le plus possible en gardant quand même la base chocolat. Il y a pas mal d'exposants bien sûr qu'on propose, chocolat. C'est ça. Mmh. En dehors de l'aspect simplement exposant, il y a des animations en parallèle qui sont mises en place aussi? Oui, il y a différentes conférences qui sont organisées donc par des exposants, et on a également des ateliers chocolatés qu'on essaie de mettre en place pour cette année. Bon, voilà, si vous êtes amateur, en tout cas, on sait qu'il y a des gourmands et ça attire chaque année plusieurs centaines de visiteurs. Frédéric Duperron, vous allez présenter quoi sur place? Alors moi, j'aurai des entremets individuels, différents goûts, et aussi beaucoup de cookies, du coup. Donc voilà, c'est l'occasion de venir montrer aux gens qui ne me connaissent pas mon travail, et puis à ceux qui me connaissent, de venir découvrir à nouveau et se faire plaisir. Voilà, les pâtisseries de Fred, ça fait partie des exposants qui seront présents donc autour du chocolat des mille et une gourmandises. C'est ce salon dont on voulait vous parler ce matin, organisé par les étudiants en technique de commercialisation à l'IUT de Montluçon. 20 ans, c'est quand vous appelez, quand vous démarchez, j'imagine que 20 ans d'existence, ça montre quand même le sérieux du truc, quoi. Ouais, vraiment, cette année, la 20e édition, c'est vraiment notre argument favori. Donc on le dit, et directement, ça montre
l'expertise et que le salon il dure depuis des années. Ouais, l'année prochaine vous direz 21 ans. Voilà, ce sera très bien. On rappelle ce salon du chocolat des mille et une gourmandises, en plus dans le cadre du pavillon du lac de Néry-les-Bains, c'est plutôt pas mal. C'est ce samedi, ce dimanche, 10h-19h pour samedi, 10h-18h pour dimanche. Entrée est 2 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et on vous souhaite un bon salon, régalez-vous tout le monde. Merci Frédéric Dupéron, merci Enzo Oliveira, merci Léandre Carton d'être venu ce matin à notre micro. Il est l'heure de passer à table, peut-être pour le petit-déj pour vous, pourquoi pas une petite pâtisserie, un petit chocolat, ça se fait. Il est en tout cas 7h56, on est ravis d'être avec vous et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.